On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de l'Apocalypse Challenge. Donc aujourd'hui on va essayer de continuer à bosser un peu ses performances parce que la promotion ça reste l'objectif numéro 1. Mais on va quand même continuer à garder un œil sur les PNJ pour trouver sa moitié parce que clairement si on se trouve pas une femme, le challenge il va vite s'arrêter hein. Comme malheureusement les Sims ne peuvent pas faire d'enfants eux-mêmes, enfin je veux dire tout seul, donc forcément il faut les aider et il faut trouver une femme. Donc là c'est sûr, il venait de rentrer du travail, il lui reste de la bouffe avariée, donc allons-y. Pendant qu'il mange, je vais aller chercher, je vais aller voir s'il y a des PNJ qui traînent. Toujours pas celle qui m'intéresse, donc on va repartir, retrouver Angelo qui est très mal à l'aise parce que forcément je lui fais bouffer de la merde. C'est comme ça. Allez, on répare. C'est pas parce qu'on bouffe avarié qu'on est obligé de laisser traîner ses assiettes non plus. Bon, d'un autre côté, pour sa défense, on peut pas les ranger dans le frigo. Soit. On va faire un petit peu de ménage quand même. Donc on va. C'est bien, il va finir 10 en bricolage, ça va être la fête. On n'a pas encore eu de tremblement de terre. À part le faux que j'ai provoqué moi-même pour la cinématique. Du coup, quels sont tes besoins? Te laver. Eh ben ça, mon pauvre gars, je suis pas sûre que tu verras une bouche dans ta vie. Je vais l'envoyer en ville parce que j'ai peur que très très vite on me demande plus de charisme. Ça permettra peut-être de croiser soit la Sim 7 qu'on recherche, soit une autre. Hein. Voilà, donc on va laisser bosser un petit peu son charisme avec Katrina. Allez, on rentre à la maison. Ça serait bien quand même si on trouvait cette PNJ parce que ça nous permettrait d'avoir quelqu'un à la maison pour faire monter le charisme directement sur place sans avoir besoin d'aller chercher le PNJ à droite à gauche. Bon, du coup, comme il s'ennuie un petit peu, je vais lui faire bosser sa logique, ça va lui remonter la barre de divertissement. Et en même temps, ça va permettre de bosser un peu sa logique parce que si je me suis pas trompée, on va avoir besoin de la logique après. Et je crois que demain, il travaille, tout à fait. Bon, je pense que c'est bon pour la logique pour ce soir, on peut aller se pieuter. Et donc on se retrouve demain matin en espérant que la journée soit bien productive. Si on pouvait au moins avancer un peu, on n'aura pas de promo demain, mais au moins, je sais pas, au moins avancer dans la barre et trouver sa moitié. Et voilà, le jour se lève sur Strangerville, il est temps de vaquer à nos occupations, se préparer. Ah, punaise. La plante est revenue. J'ai l'impression que tous les matins, il va falloir se débarrasser de la plante si on veut se laver. C'est pas cool. Parce que du coup, ça va nous prendre un temps fou. Alors oui, je sais, c'est moi qui ai choisi de venir à Strangerville, donc je n'ai qu'à m'en prendre. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Allez, lave-toi les mains. Oui, fais pas la tête, hein. C'est le seul moyen de pas puer la mort. Hein. Et oui, tu vas manger des fruits grillés périmés, bien sûr. Ils sont bons, t'en es, mon gars. Alors, je surveille l'heure pour surtout pas qu'il soit en retard. Allez, vas-y, laisse tomber, va au boulot. Alors, faut faire pause au moment où il part pour pouvoir enclencher le travail et dur, c'est important. Eh, pas mal, on aurait presque pu avoir une promo aujourd'hui, dis donc. Du coup, on aura la promo de demain. Ah, c'est parfait. Alors, je vais lui retourner, je vais faire qu'il se lave un petit peu et on va retourner en ville. Il n'y a que des gens très perturbés au centre-ville, hein, c'est... Il n'y a que des gens extrêmement perturbés, même. Bon, faudrait qu'on trouve au moins un à peu près normal. Allez, c'est toi qui as gagné. Tu vas pouvoir lui faire la conversation. C'est sympa, ça, tu as les cheveux... accordé à ta tenue de travail. Bah non, elle est partie. Ah non, Léa. Je comprends pas pourquoi Angelo, il arrive par derrière. Mais c'est pas grave. En tout cas, on manquera pas de PNJ à qui parler. Hein. On n'a pas celle qu'on veut, mais c'est pas grave. Pour les autres, il y a ce qu'il faut. Hein. Putain, il y a tous les PNJ qui passent, mais pas la bonne, quoi. C'est pénible. Bon, alors, j'ai vu passer 1 million de PNJ, mais jamais la bonne. Donc, on va rentrer à la maison. On a avancé un petit peu le charisme, quand même. On a 64%. On va aller s'occuper un petit peu de lui, parce que là, toutes les barres sont pas bonnes. Et il y a du boulot demain. Alors, on dit au revoir à tout le monde. Et on se casse. Alors, on va tâcher de prioriser, manger une portion, et comme ça, peut-être que s'il a le ventre plein, il aura besoin de manger demain, et du coup, il partira pas avec un mauvais moulette au travail.
jeter. Ah non, alors il faut pas lui faire jeter les assiettes parce que ce boulet vient de jeter les fruits périmés. Alors oui, de base, les fruits périmés, ça se jette. Mais pas dans un appôt. Il s'est cru chez Missing, lui. Il a cru qu'il allait bouffer du poisson frais tous les jours. Allez, on remonte un peu le divertissement. Et au lit. On va remonter beaucoup parce qu'on n'a pas trop le temps. Allez, au dodo. Je suis contente, dans l'absolu, toutes les barres sont à peu près correctes. Bon, bien sûr, les gremlins ont tout bousillé dans la nuit, ça on s'en doutait. Je vais pas le faire manger avant de partir au travail parce qu'on a vu lors du premier jour que sa barre de faim remontait au travail, donc c'est très bien. Et puis comme de toutes les façons, on est... Oh, faut y aller là, faut y aller, punaise, je pars et j'ai failli être en retard. Et puis comme voilà, sa barre est presque là, on sait que de toutes les façons, il aura sa promo. Et voilà, félicitations, une deuxième promo. Et comme on s'est bien avancé, en plus, on a déjà fait toutes les tâches de promotion. Et la tâche du jour, on peut toujours pas la faire parce que de toutes les façons, on peut pas acheter d'ordinateur avant dimanche. Eh ben, c'est cool, mon gars. Écoute, je vais te faire 2-3 trucs. Je vais aller en ville voir si je trouve toujours, comme d'habitude. Hein. De toute façon, mes journées ne sont faites que de ça. Chercher un PNJ. On va pas l'avoir passé, hein, je vous jure. Hein. À croire que le jeu, il sait. Il sait quel PNJ tu veux. Et donc, il fait exprès de pas te l'envoyer, quoi. Moi, quand je fais un Legacy ou quoi et que je vous donne l'Otario, il ne me l'envoie jamais. Par contre, si j'en ai rien à fiche, il va passer 200 fois devant la maison. Donc, moi, je vous dis, je pense que le jeu, il triche et qu'il sait très bien quel PNJ on a besoin. Ce jeu est diabolique. De toutes les façons, je crois qu'il... Voilà, il travaille pas samedi, dimanche, donc ça va nous laisser 2 jours pour chercher... Pour chercher une femme. Je vous avoue que j'en ai 2-3 en tête, donc la première des 2-3 qui passent, elle a gagné. Elle a tiré le gros lot. Il n'y a que des gens bizarres ou des gens qui m'intéressent pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce look? Alors ça bosse dans l'armée, ça. Ah bah oui, ça bosse dans l'armée. C'est dingue. Bon bah pas de femme en vue. Du coup, je vais peut-être pas l'envoyer en ville, ça sert à rien. On va s'occuper de lui un peu ici parce que... Il va falloir qu'on lui fasse à manger aussi. Donc, je viens de prendre un fruit. On va aller lui faire à manger. C'est pénible, ça, de devoir passer par l'inventaire à chaque fois qu'on veut faire griller des fruits. Allez, go! Oui, ce soir, c'est fruits frais à volonté. Alors bon, techniquement, vu toutes les plantes que j'ai dehors, je pourrais vraiment... Mais non, pourquoi? Je voulais juste que tu jettes. Je pourrais vraiment faire des fruits frais tous les jours, mais... Enfin, d'où en pleine apocalypse, après une catastrophe comme ça, tu manges à ta faim tous les jours. Et frais, c'est pas possible. On est d'accord. Donc, ouais, donc non, j'aime bien le fait de leur faire manger un peu de nourriture à varier. Puis les promos, ça va quand même relativement vite. Hein. Deuxième épisode, deuxième promo. Enfin, je veux dire, on peut pas trop se plaindre du temps que ça met. Donc autant se rajouter une difficulté quelque part, quoi. Oui, vous avez raison. Je suis complètement mazou. Même quand je suis pas obligée, je le fais quand même. Allez, au dodo. Voilà, donc aujourd'hui, pas de travail. La mission du jour, ça va être de se trouver... Oh la vache. Allez, quand je vois l'état de la salle de bain à chaque fois, c'est pas possible. On va le remettre un petit peu en forme. Il va passer sa journée en ville à parler aux gens et de se trouver une Madame Angelo. Mais qu'il aura fini, bien sûr, de réparer les toilettes, d'enlever, d'arracher les mauvaises herbes qui poussent. Alors moi, franchement, le jour où j'ai des plantes qui poussent par mes toilettes, je déménage. Je vous le dis. Hein, je... Il n'y a pas photo. Hein. Oui, le jour de l'amour était horrible. D'un autre côté, j'y suis pour rien, moi, si celle que t'es censée épouser ne se pointe pas. Tu veux pas te laver? Oh non, il y a encore des plantes, qu'est-ce que c'est? Oui, bah c'est bon, fallait le dire, j'avais pas vu. Alors entre les plantes et les gremlins, je vous raconte pas. C'est d'un passionnant de se laver 200 fois les mains. Donc pendant qu'il finit de se laver les mains, et donc de se laver tout court, je vais chercher sa future douce et tendre. Mais ils vont tous passer, hein, sauf la bonne. Hein. Bon allez, non. On va juste se contenter de lui parler. Elle va juste me servir à grimper le charisme. Et on est parti en ville. Espérons qu'on trouvera notre bonheur. Je sais pas où il est parti. Ah, il est parti chercher Summer. Hop, donc il va pouvoir discuter un peu avec... Pourquoi elle s'en va? Pourquoi? Bon, viens ici. Bonjour Moira. Mais elles sont toutes là, mais pas la bonne. Franchement, le jeu m'en veut.
Vous savez qu'il ne peut pas finir célibataire. Je ne peux pas débloquer toutes les restrictions avec un seul Sims. Ça n'est pas possible. Et plus j'attends, plus ma PNJ elle vieillit et moins j'ai de chance qu'elle me débloque une carrière. Pourquoi t'es énervé mon gars? Il fait beau, t'es en week-end. Enfin, il fait beau. Bon, ok. Bon bah écoutez, je crois qu'on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Du coup, on va le laisser en pleine grande conversation. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je galère un petit peu moins. Vous voyez, j'ai le rythme. Tant qu'il est tout seul, ça va. Je pense que quand on va commencer à me rajouter les bambins, ça va faire mal. Vous savez à quel point j'adore les bambins. Je vous fais plein de gros bisous à tous. On se retrouve très très vite, soit pour un nouvel épisode de l'Apocalypse, soit en live sur mes autres challenges. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, un petit abonnement, voilà, si vous voulez suivre la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Gros bisous tout le monde, à bientôt. Ciao.